On est bon, on est bon, on est bon. Tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochonou. Dans le cochonou. Ça y est, j'ai lancé le live. Apparemment ils ont rien vu vu qu'il n'y a rien. Il reste sur lui, c'est-à-dire. On a Seahawk qui arrive à 6h. Hein. Je sais pas s'il veut se couper ou s'il a rien à voir avec le coup. C'est une bonne question. Ok. Donc Felsine, il va chercher un implacable apparemment. Il va le remorquer jusqu'ici. Ah. C'est le moment. Ça fait une heure qu'on glande. Hein. Mec, au moment de partir, il est... Oh, t'es si j'allais prendre mon implac. On a toujours des comme ça. Les retardataires. Qui change d'avis à la dernière fois. Qui vient d'arriver? Qui c'est moi. C'est toi. Chasseur. C'est toi le chasseur. Oui, c'est moi le chasseur. Il n'y a pas de lapin ici, monsieur. Ce que je lis dans le chat du clan, il y a des contacts. Fait que pour moi, c'est des lapins. Faire péter le lapin. Si t'as un box, c'est encore mieux. Je crois que Sio qui va se mettre avec nous, j'ai l'impression. Ou alors il attend pour voir ce qu'on fait, je sais pas trop. Et qu'il y a là, là... La bataille de port. C'est à Road Town. Apparemment, il y a quelque chose à Gustavia. J'ai pas trop suivi ce qui se passe. Mais... J'ai un million de... Je vais demander, tiens, si ok. Ça commence dans combien de temps la bataille de port? Je crois que c'est demain, là, c'est juste la pose de flag a priori. Ok. Pose de flag sur Road Town, et je sais plus c'est qui avait dit qu'apparemment il y aurait un espagnol qui aurait été vu près de Gustavia. Près de Plymouth, pardon. Ok. Qu'est-ce que. Ah oui, d'accord. Ah, c'est eux qui font la pose de flag, putain, j'avais rien compris. Il est à la ramasse, le copain. Ouais. Ah ouais, je suis pas très bien réveillé aujourd'hui. Les premiers plans, en plus. De quoi? Les premiers plans, en plus. Qu'est-ce que t'as réussi, du vrai quoi? Un permis. Ah, t'as eu ton permis? J'ai encore. FLCIN qui arrive avec son nom. Ah, il y a tout d'un coup, toi? Code, circuit. Ouais, tout d'un coup. Je crois. C'est clair devant.
lancer le... Ok. Donc là, normalement, si j'ai bonne mémoire, les ennemis ont été notifiés du flag. C'est ça. Ouais, donc... C'est exactement ça. Plutôt s'attendre à se faire intercepter. Pas forcément, s'il y a personne de connecté pour les prévenir ou quoi, tu vois, ça peut se passer à la wall again, quoi. Bon, après les reliques, c'est un clan où ils sont assez nombreux, donc il y a potentiellement des connectés. Potentiellement, on va avoir de la résistance, oui. Après, ça dépend, hein. Si sur un coup de chance, ils sont vachement occupés ailleurs. T'as des clans comme ça qui sont spécialisés dans la diversion. Ils foutent le bordel d'un côté de la map, puis hop, ils attaquent de l'autre. Ah, le problème, c'est que le flag il est plus rapide que moi, donc... S'il se barre, c'est aussi loin. C'est là que tu vois que l'océan il est plus rapide au près que le Victo. Parce que là je fais du près serré et il me trace lui avec son océan. Puis on va le voir dans la gueule. Parfait. C'est la preuve de la qualité française. Au portant, je sais pas si l'océan est aussi rapide que le Victo. C'est terrible. Terrible ce manque de vent. Ouais. Attends, il est partout. Ok. Mais il... Oh là là. C'est quoi ça? Ça va être long la route là jusqu'à là-haut. Ouais. Et puis il a l'air vachement serein, hein, le flag, il se barre sans son escorte. Ce panky est type ici là. Hein. Parce que là, si jamais il se fait tag, on va pas pouvoir faire grand chose. Bon, si on pourra rentrer dans la bataille. Ah oui, mais je veux dire, le temps qu'on arrive. Parce que là, on est vraiment le vent dans le nez, quoi. Oh, ça va. C'est bien, ça va me permettre de regarder derrière si on n'est pas suivi. Non, c'est moi qui me traîne le cul.
Je vais bientôt perdre le flag de vue. Georges a oublié de fermer la porte. C'est pas comme rapide, il y a un marchand de glace. Bonjour, mon petit. Bonjour. Wix vous propose la puissance. Oh, je m'appelle...
Écoulé mon Cerberus. Et tu l'avais pas assuré? Tu sais que tu peux assurer tes navires pour pas les perdre. Qui c'est qui regarde tes loges derrière là? C'est chasseur. Faire une PB en écoutant Peppa Pig, c'est original. C'est original, oui, tout à fait. On pourra dire qu'on aura tout expérimenté. Contact Nord-Ouest. Belle poule, je crois, non? Non, c'est Indiana, ça. Sûrement un éclaireur ou un truc dans le genre. Donc, confirmation, il y a du monde sur zone. Ça va saigner. Canonnier à vos pièces. Pour la France. Oui, pour la gloire du drapeau tricolore. Oui, oui, oui. Doulung. Merci. Merci à toi qui t'es abonné. J'avais oublié que j'ai lancé un ouillet quand on s'abonnait sur ma chaîne. Ah, pirate et anglais. A priori, ils sont ensemble. Je crois. Il tague, si c'est du gros, ça va tag, oui. Ouais. Oh là. Et puis le flag qui sort, la fleur au fusil. Là. Vous allez flaguer où? Rottown. Je suis bien loin. Je suis pas sûr qu'on va flaguer grand chose si le flag part au suicide comme ça. Ils foncent dans le... J'aimerais bien savoir qui c'est qui est... je crois que le pirate il attaque.
Il est où le pirate? Voilà. Bah oui, bah il va chercher le flag. Non. Si. Si. C'était prévisible. Évidemment. Eh, on y va, hein. Cercle France sur la gauche. Ouais. Là, c'est en plein dans les hauts fonds. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ah, et au fond, t'es mort. Ah, bah ouais. Tac, ça rentre. Dis donc, on fait des trucs comme ça et... Let's go. Let's go party. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi la ville qui est à côté? Oh, je peux pas te dire. Hein. On redescend sur le flag? Bah oui, on va rejoindre la mêlée. Hein. Allô? C'est qui les pirates? Hein, les Sox et les Triple X? Oui. C'est bien que ça soit Triple X parce qu'il va s'en prendre plein le cul. Ah putain, c'est un... Ouais. J'avais pas pris en compte ce détail. Il est où l'autre? C'était deux, non? Ah oui. Putain, là, c'est un mortar. Ah. Petit four. Il y a tout dessus. En gros, il veut qu'on se barre avec Zera et lui il va défendre. Il va retenir le pire. Ok. Donc Zera, lui, c'est l'océan qui est en train de se barrer, je crois. Parce que là, il est un peu loin, je vois pas le pseudo, mais je crois que c'est lui. Attention à ta manœuvre. Tu fais route de collision. Ça passe. Pas sûr. Quoi qu'il en soit, tu vas me démonter. Directement le chasser à flag. Non, non, le flag il est à gauche, c'est 0-0. Il est en train de se barrer au 315. Ah, ouais, c'est lui. Ouais. Enfin, 315, c'est plus 315 tick là. Je vais pas chipoter.
Yo. Yeah. C'est un anglais qui vous a tagué là? Pirate. Pirate? Ouais, il avait rien à foutre là. Ouais, ouais, il n'y a pas de port pirate dans le coin. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Alors peut-être qu'il était là par hasard et qu'il voulait juste buter les joueurs. Je sais pas. Ouais. Enfin, c'est un peu idiot. Ça me paraît un peu loin de son port pour être un hasard. En tout cas, le gars se casse. Ouais. Ouais, vous sortir dès que vous pouvez. Ah bah là on est en train d'escorter le flag. Ah putain, bah oui évidemment. On va essayer de l'intercepter de l'autre côté. Mais... Ouais. Je sais pas s'ils vont avoir le temps. Ouais. Normalement si le flag fait pas de conneries, ça devrait le faire. J'ai mis quelques réserves. Moi j'ai vu qu'il n'y avait pas de contrat de Rome à la tortue, alors je vais résoudre ce problème. Et leur mettre 10 000 de Rome à 150 unités. Ouais. Ah. Merde, je suis sorti. Ah. Bah, au moins, ça me permettra de dire s'il y a quelqu'un dehors. Mais... Oui. Il y a de l'anglais. Et merde. Ça va venir me tag. Vous sortez là ou qu'est-ce qu'il branle? Je sais pas, il ordonne au flag de sortir, mais je sais pas ce qu'il fout, il reste là. Dis-leur d'attendre que Bucky se fasse taguer tout seul, comme ça après vous pouvez sortir tous ensemble et il y aura déjà un combat en cours, ça évitera que. Qui chope tout le monde. Ouais. Ça sent le sacrifice pour la nation. Et merde, putain, il est con. Non, je vive, le flag s'est barré. Où est-ce qu'il est passé? Ah,
joueur ennemi. Pour l'instant, il a pas vu le flag. Ça m'a tagué. J'essaie de prendre les deux en même temps. Yes. A priori, ils ont pas vu le flag encore. Je vais essayer de l'escorter, mais mon mec se barre. Putain, mais quelle idée d'avoir donné le flag à un suicidaire, quoi, putain. C'est qui l'a? C'est, comment il s'appelle? Zera Zera. C'est ouais. Un mec de chez Swign. Mais le mec, t'as vraiment l'impression qu'il va aller... Ah, bah les mecs, ils sont 2 centis sur moi. Rock'n'roll, hein. Adieu le Vito. Ouais. Ça pue du fion. Tu vas t'amuser. Ouais. La nation n'oubliera pas ton sacrifice. Merci, merci. Ouais. Moto, j'arrive. Qu'est-ce qu'il fait le flag? Il attend vraiment que tu sortes de la bataille. Vous êtes bien à Rotown? Ouais. Ouais. Je vais toutes les défaire avec ma trinco. Ah oui. Ouais, par contre, si je me fais tag pour que l'autre il glande. Bah, celui qui est en bas du vent, déjà, il pourra rien te faire d'où il est. Il va galérer à remonter sur toi. Ouais, lui aussi. Deux pirates contre 6. Mais il est complètement con. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, mais... Protéger... Ah non, putain, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il était rentré dans ta bataille. J'ai cru que le flag était rejoint ta bataille. Non, ça va, on est dans la pose de flag. Je suis tout seul avec lui, et en face, c'est mon ami. C'était un tir pour rien, ça, Bucky. Quand il est en angle comme ça sert à rien. Ouais, ouais. De toute façon, je vais me faire éclater, donc contre une centaine. Ouais, ouais. Dans tous les cas, ouais. Je peux pas faire grand chose avec mon DLC à la con. Voilà. De toute façon, je pense que même son DLC. Ouais. Tu seras tombé avec honneur. En tout cas, y'a personne dehors. Puis d'un côté, vaut mieux que ça t'arrive en fin de wipe, comme ça. Enfin, en fin de saison. Oui, non, mais moi, ouais, perdre des bateaux, c'est pas trop grave, tu vois. Mmh. C'est vrai que ça aurait été plus chiant. Tu as eu ton virage, tu peux peut-être lui faire le beau prix, là. Je vois une bataille, 2 anglais contre 1 français. Ouais, le beau prix. C'est moi. C'est moi, le 2 anglais contre. Je rejoins lequel? Si tu veux me rejoindre à moi, fais-toi plaisir. Et bah là, avec le beau prix en moins, t'as peut-être moyen de le fuir, il sera moins rapide. Ouais, j'aurais bien qu'il me lâche le fion là. Ouais, il est en choc voile de façon. Moi je suis dans la fosse de flag avec Zera et Siok. Pour l'instant il n'y a pas d'ennemis. 1200 contre 0. Je vais aller me faire défoncer la tronche. Pour avec du porno. Bucky. Quand 2 centis t'avais dit? Oui. Ah ouais, on va se couler à pic. Ah ouais, mais t'as spawn là toi? Oh là là. Ouais, mais le chose y était là. Moi j'essaye de fuir. T'essayes de fuir puis moi j'arrive. Yo! Oh, oh. Il vient sauver l'honneur. Pour la France! Ouais, poupée!
fait 5-4, t'as fait le rudder. Yes. Et là maintenant de toute façon il t'a donné le vent donc il aura difficilement ton cul à nouveau. Si t'angles un petit peu sur la droite là, normalement t'es tranquille. Ah il a fait une répa voile. Pour la France. Ah oh, putain y a les tours aussi je vous dis. Alors t'es loin. Une bordée puis je vais être coulé. Ah bah toi oui t'es en quoi? T'es en trinco? Ouais. Ouais. On va essayer de fuir avec toi. Essaye de le chaîner là, l'autre abruti là. Ok. Ça va pas faire grand chose. Oh, c'est toujours ça mieux que rien. Ouais. Destination, je vais pas cette distance. Il va essayer de me toucher. Ah oui, il est en train de tourner pour là. Oh. Bah en même temps, ça lui fait une croquette de répa, hein. Si de coup, ouais. Il a une répa gratuite. Il va sûrement essayer. Ah, il va vouloir me faire les voiles là pour. Qu'est-ce que. Ah, ça y est, il va tirer. Ouais, mais de là où il est pour faire les voiles, il va galérer. C'est que Barberousse il va lui faire le fion là. Il a des chances. Pas grave, il va avoir mon cul après. Je vais être une petite fourmi pour lui. Une croquette. Ouais. Pas si pire, pas si pire. Il t'a chaîné, il t'a chaîné. Chaîné sur une trinco et ça fait même pas de choc voile. Eh ben. Fuyons! Wow!
Je suis en vacances, je suis en vacances. Yay! Moi aussi. Je suis en vacances. Je me lève à 5h30 tous les matins depuis une semaine. T'es en vacances? Bah ça vole le matin, alors je vole. Yes. Ça pique. Ça vole le matin. Ouais. Tu travailles dans l'armée de l'air ou quoi? Non, moi je suis pilote de montgolfière. Ah. Ceux qui travaillent dans un petit truc en plus, ils disent pareil. Comment ça? Bah montgolfière, tu fais pareil avec un trisomique. Montgolfière. D'accord. Il y a quelqu'un qui est sorti avec sa sentie là pour sûrement rejoindre la bataille. Tu me déçois de pas connaître la blague. On prend la tire, c'est bon, il y a une case. On va l'avoir. Ah, vous allez semer, hein. Hein. J'ai fait diversion, puis toi tu t'es poussé. Ouais, bah tu l'as fait tourner et du coup il a perdu, ouais. Il a perdu le vent. Hein. Ouais, c'est ça que je voulais, puis ça a marché. Ouais, bien joué. Ça va être. Si on sort indemne, ils vont sûrement nous courir après. Non, je pense qu'ils vont essayer de rejoindre la pose de fer. C'est marrant, à chaque fois que je vois la caméra d'Ousban pendant qu'il bosse, il n'y a aucune volonté de vivre dans ses yeux. Si c'était que dans ses yeux. Ouais. Je t'ai envoyé l'image. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, là, il nous a fait un petit regard Nespresso, what else. Moi je suis en route pour arnaquer les pigeons de la tortue, j'y ramène 10 000 roms que je vais vendre à... un doigt. Qu'est-ce que en 50. Encore le mortar qui vient me faire chier. C'est un mortar. Eh, du coup t'es de quel coin de la France, Ven? Je suis en Sarthe, Pays de la Loire. Ah ouais, t'es loin. Ah, ils ont sorti, eux autres? Ben oui, ils ont sorti. Si elle jura, ça fait. Hein. On sort-tu ou on reste là? Charles, est-ce que t'as une sentie qui a rejoint la bataille? Chez les ennemis? Ouais. Alors, il y a un trader lynx et un basic brig. Et pas loin du Mans, quoi. Nous, ouais, c'est ça. Je suis collé à la ville. Je suis collé à la ville. En vrai, j'ai que 4 heures de route pour aller. Avec le flag. C'est que 4 heures? Bah. Non, mais moi, je suis à Brest. Ah oui! Oui, j'avais entendu que t'étais jurassien, mais oui, tu vis à Brest. Bah, je vivais à Rennes, moi, l'année dernière. Okay. Je me le dis, puis on sort. Vas-y. 1, 2, 3, moi je sors. Et on va se faire rattraper. Oh, sûrement, oui. S'ils n'ont pas rejoint, ils vont nous attendre. Vous êtes où? Rottown. Ouais, ah ouais, ils ont envoyé des petits bateaux là pour nous bloquer. Ah, joueur ennemi. Moi, il va me retag. Tu penses? Non, je pense, oui. C'est sûr, même. Il est sur moi, là. Il me veut. Il te désire. Alors, voyons voir. Comme tu dis, tes arguments sont tout à fait recevables. Oh, on est en face à face. Ouais, on prend les mêmes, on recommence. Hein. Il a pas envie de me laisser tranquille, le saligo. Quoique je l'ai dans le cul, là, donc c'est bon. Ah oui, là, tu prends le vent, tu te casses. Oui. Ouais, il va juste perdre du temps, quoi. Là, t'es tout seul contre lui. Ouais. Puis
Y a pas d'autres, y a pas d'autres anglais. Ouais, t'es tout seul. Ben, je rentre-tu ou ça donne rien? Pour moi, ça va pas être besoin de rentrer. Ah, y'en a un qui a pris quelques bombes sur la gueule. Ah, si, y'a le privateur qui vient. Ah, c'est ça, franchement. Qui... J'ai donné les salutations du roi. Viens le chercher. C'est ça. Il reste combien de temps pour la flag? 32 minutes. Hein? 32 minutes. 3, 2. Le mec il a oublié que c'était lui le flag. Le mec il part le fleur au fusil. Charge. Il
reliques, vous voulez gagner du temps. Quelque chose m'a dit que c'est pas fini. Désolé, je suis trompé. Moult désolé. Du coup, j'ai rejoint un vocal, je sais pas où. On appelle ça un misclic. Si j'ai déjà cette dispersion là avec des canons, il faut pas demander avec des canons. Enfin ça touche, c'est déjà ça pris. Il est parti, chasseur. Parce que je t'entends plus, Peppa Pig. Ah, moi j'ai baissé son son. Hein. À un moment, je me dis, je vais lui dire de passer en push to talk, mais je me dis, bon, c'est pour une petite PB tranquille. Je me dis, comme si ça aurait été une grosse PB sérieuse, là, je lui aurais peut-être dit. Ouais. Il en reste 24 minutes. Ça laissera le temps aux reliques de se réorganiser. C'était le seul but du petit privateur. Nous faire perdre du temps. Repousser le compteur de temps. On a du bol qui avait pas la forteresse centrale. Allez, c'est reparti pour un tour. On ressort. CEO qui a coulé Rocktown Tower 2. Le mec il a coulé la tour quoi. C'est trop fort. Je peux même pas sortir moi. Sortir de la pose de flag. Ouais. Ah bah c'est normal. Oui c'est ça. Moins un, paf. Bon moi je me casse du coup. Yep. Vous avez survécu du coup? Moi oui. Mais je peux pas rejoindre le flag.
Pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps que la bataille est lancée ou... Ah oui, d'accord. Mais du coup, si on peut pas rejoindre de notre côté, on peut pas rejoindre du côté des ennemis non plus, si? Non plus. Ah. 5 contre 2, normalement, ça devrait aller. Ah bah oui. Bah là, de toute façon, les deux, ils sont coulés. Hein. Là, c'est une cote de 1500 contre 0, donc normalement, on devrait gagner. Ah, vas-y, je reviens. Là, j'ai bien l'impression que les reliques ont perdu de leur superbe, vu ce qu'ils ont envoyé. La situation a l'air plus critique que ce que je pensais. Sois coulé, tabarnak. Tour de merde. Je reviens, peut-être, ou pas. Non, mais je reviendrai après. Bon, bah là, il n'y a plus qu'à faire bronze et être sur le pont. C'est qui là-bas au fond, enfin quoi? Ah, c'est Barbarous. Tu vois, Barbarous, t'es venu en train de côte, t'as survécu quand même. J'étais en train de me faire démolir par des maudites tours. Ah ouais, t'as pas spawn au bon endroit, ouais. Je vais aller rejoindre... Bilfin. Ouais. Je vais aller me braquer en arrière de lui, puis je vais souffler un peu. Bah normalement les tours, si tu restes à bonne distance, tu peux les tirer sans qu'ils puissent te tirer dessus. Ah mais là c'est les autres qui me tirent. Ah tabarnak. Je coule, esti. Un trou. Ah si jamais t'es en train de couler, vaut mieux t'arrêter, comme ça ça fera rentrer l'eau moins vite. Et tes pompes de cale pourront étancher. Alors c'en est où votre... Attends mais il tire toujours le fort. Cette distance là. Bah là pour l'instant on est tranquille, on est posé, on fait bronzette là dans la pose de flag, il n'y a plus personne.